C'est que l'autre qu'on est coupé. Mais vraiment, imagine. Ah ouais, la porte. Ouais, ça fait un peu, non? Ah bah, fallait laisser aller vers les temps, hein. Réflexion et observation. Donc là, la première règle, c'est personne rentre avant que je dis d'entrer. Okay. Okay. La deuxième, c'est personne ne touche le corps avant que le médecin légiste arrive. Ah, c'est dommage. Et c'est quoi ça, légiste ? Bah, c'est après midi. Ouais, mais ça se voit pas. Enfin, bien sûr que ça se voit. Si, ça se voyait, je te jure, il y en avait une. C'est incroyable. Alors, mais des fois, c'est pas forcément les toutes premières, les plus jolies, hein, on sait jamais. Vous avez décidé. Les petites traces des endroits là. Le verre, s'il te plaît. Bien. Alors, mais avant, on l'inspecte, non? Oui, mais je veux... Oui, mais je le prends. Toi, il y a des CD et des verres. Toujours être utile, ça. J'avais dit, quand il y a les enfants, ça, c'est sûr que c'est des ASICS. Toi, tu vas sur, tu vas faire un séquoire. Comme médecin légiste, il arrive, c'est d'abord lui qui va regarder si la personne est vraiment morte ou pas. Mm-hmm. Et il y a déjà des petits examens qu'il va faire un peu pour estimer l'heure du décès. C'est pas un record d'estimation. On n'est pas comme à la télé où on est là, il est mort à 9h48. De nous aider. Oh, luminol. Donc ça éclaire qu'avec le son, il n'y a pas d'autre truc qui pourrait le faire. Il n'y a pas normalement les lumières violettes. Disons que ça éclaire la trace. Ouais, il y a. On en met comme ça sur l'objet. D'accord. Il faut essayer de. Là, vous voyez, le bout, il faut essayer que ce bout-là, il frotte pas trop contre l'objet, sinon... Du coup, vous pouvez faire la bouteille, lui. Ah. Moi, ça tombe beaucoup, quand même. Merci. Ouais, t'inquiète. Un petit peu de cocaïne. Non, mais c'est pas une blague. C'est cool. Un petit peu de cocaïne. On va faire Montreveuve. Yep. En courant. On va faire, ça fera peut-être quelque chose. On va faire Montreveuve en courant. Ensuite. Ah oui. On va mélanger les choses, donc on va nettoyer. Ça me rappelle quelque chose. En deuxième, on prend l'héroïne. Ouais. Donc là, quand on fait des tests comme ça, il faut avoir un peu de substance pure. Et en fait, c'est le contrôle positif. Où on voit avec la substance qu'on cherche, ben, qu'est-ce qu'on a comme réaction au final. Donc là, ce sera nos deux tests positifs, où on a cocaïne, héroïne. J'ai juste une question. Par exemple, pour les policiers et tout, pour faire par exemple ce test, ils ont de la cocaïne qu'ils ont eux-mêmes fait ou qu'ils ont trouvé sur des lieux de crime et tout? Bon, après, il y a plein de méthodes. Et maintenant, il y a une nouvelle méthode pour un peu détecter comme ça ce qu'on trouve sur les lieux. C'est avec... une personne de l'UNI qui a fait un doctorat chez nous, pour sa thèse, justement, il a travaillé un peu dans ce domaine et lui, il a créé une petite machine qui est un peu de la taille d'une lampe de poche, comme ça. Où, en fait, c'est vraiment ce genre de machine où il y a une application sur le téléphone où la petite machine, tu la poses contre
Et en fait, il fait des analyses comme ça super rapidement et tu as déjà un premier résultat sur le téléphone. Donc maintenant, c'est ça qui est utilisé dans beaucoup de polices en Suisse romande. Et c'est lui qui l'a créé ? Ouais. Okay. C'est la première start-up issue de l'école des sciences criminelles de Lausanne. Okay. Et là, je crois, ouais, il y a déjà pas mal de polices romandes et puis ils vont regarder voir si d'autres pays sont intéressés maintenant. Et puis, ben, ça simplifie vraiment la vie. Genre, je crois vraiment en une trentaine de secondes, on a déjà des premiers résultats. Donc, ok. Donc, c'est bien plus simple. Mais après, il y a aussi d'autres tests indicatifs qui sont faits. Tu sais qu'il y a aussi des autres où c'est vraiment des petits sachets où, par exemple, on met un peu de la substance, on craque une ampoule, on regarde le résultat. Et ça, ça a surtout été fait, par exemple, pour faire la différence entre le cannabis et le CBD. Pour savoir lequel est légal ou pas. Il y a aussi ben, des petits tests comme ça, super rapides, qui ont été faits ben, justement pour savoir s'il y a lieu ou pas de faire une saisie ou quoi. Ok. Donc là, on a les deux tests positifs. Donc j'ai dit la cocaïne, héroïne. Là, il faut un test négatif pour voir si ce n'est pas la solution, par exemple, qui a un problème ou si les supports sont contaminés. Et là, ensuite, ce qu'on a trouvé sur les lieux. J'en ai mis partout. Voilà. C'est du coup, c'est quoi comme c'est du lucas. Ouais, là on a la bulle. C'est à réagir comment normalement avec cocaïne ou l'héroïne? Ça change de couleur. Je faudra que je revoie sur les slides. Il y en a un qui est plus dans le violet. Là c'est plus noir. Ouais, un plus. Bon, là c'est passé très concentré, mais là si on déplace, ouais, c'est plus. Ouais, brun orangé. Et là, on a plus sur du bleu très foncé. Là, on a le contre-négatif. Et ensuite, avec notre substance. Le contre-négatif, il y a déjà quoi dedans ? Rien. C'est juste pour voir si c'est pas la solution qui a un problème ou si les objets sont contaminés déjà eux. Là, si on voit qu'il y a une réaction ici, bon, on sait que c'est... Enfin, il y a juste un problème avec le test, quoi. Et donc là, on peut voir, c'est un peu sur du bleuté, on dirait. Je ne sais pas si vous arrivez, ou sinon vous faites le tour, peut-être.